À pied, en vélo ou en roller, le boulevard du Midi s'est libéré le temps d'une journée de la circulation des voitures, pour le plus grand plaisir des Canois, mais aussi des touristes, encore nombreux en septembre. C'est super à refaire, franchement, c'est top. Avec sa petite fille, c'est super. Et sans voiture, sans danger. Un essai transformé par la mairie de Cannes qui a voulu faire de cet espace public un style de ville pour toutes les familles. Là, les gens sont apaisés, ils arrivent, ils disent... Je crois que c'est un élément important de qualité de vie, mais aussi d'attractivité de la ville. Donc on l'expérimente, on va voir comment ça s'intègre dans le reste de la cité, si ça ne crée pas des perturbations importantes autour du périmètre piétonnisé. On a quand même piétonnisé quasiment 4 km. Et puis je pense qu'on renouvellera l'expérience, on sera pragmatique et on l'amènera aussi sur la Croisette. C'est un style de ville et c'est un style de vie qu'on doit incarner à Cannes. Et bonjour ! Paris réussi, la ville de Cannes montre une fois de plus qu'elle est bien la capitale du sport en plein air. Un avant-goût du projet Boca Cabana qui commence ces jours-ci.